Eh bien, salut tout le monde, c'est Xshooters, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour une superbe astuce qui va tout simplement vous permettre de mettre un ou plusieurs textes sur une photo. Vous allez voir que vous pourrez vraiment personnaliser vos photos avec cette astuce. Donc vous allez tout d'abord vous rendre sur GTA V, ensuite vous faites Start et vous allez dans la galerie. Après vous allez sélectionner tout simplement une photo que vous voulez éditer. Après vous cliquez sur la photo, ensuite vous faites tout simplement carré pour ajouter du texte. Et là vous allez mettre le texte que vous voulez mettre sur votre photo. Donc moi je vais tout simplement marquer what the fuck puisque la photo vraiment est what the fuck. Ensuite quand vous avez mis votre texte, vous appuyez sur la touche Start pour valider. Et après vous aurez juste à placer votre texte n'importe où sur la photo. Donc vous allez pouvoir faire trois choses, donc vous pourrez déplacer votre texte, choisir la police et la couleur. Donc c'est vraiment stylé je trouve. Donc moi j'ai jamais vu ça avant sur GTA V, donc je crois que c'est vraiment une petite nouveauté. Ensuite quand vous aurez tout fait pour le texte, vous pourrez tout simplement appuyer sur croix pour valider et sauvegarder votre photo. Donc ça va tout simplement copier la photo et ajouter votre texte. Donc vous aurez deux photos, donc l'original sans le texte et celle avec le texte. Donc voilà, après vous aurez juste à aller récupérer votre photo sur le Social Club. Donc si vous êtes dans mon crew, normalement la photo apparaîtra dans les photos du crew tout simplement. Et donc voilà, moi j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et de partages et de commentaires positifs, ça me fera vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitter et à rejoindre mon crew sur GTA V. Les liens vous attendent dans la description de la vidéo. Et voilà, donc moi je vais tout simplement vous laisser avec la fin de la vidéo et puis je vous dis à tous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!